On a plusieurs revendications. La première, donc, c'est, comme on l'a dit juste avant, une augmentation du financement des SDIS, qui actuellement stagne et donc ne permet pas, à l'heure actuelle, d'augmenter les effectifs de sapeurs-pompiers. Juste pour information, à titre d'exemple, le département de la Gironde a augmenté de plus de 30 000 interventions en 4 ans et l'effectif n'a toujours pas augmenté. Donc on en demande toujours plus aux sapeurs-pompiers sans leur donner plus de moyens. On est dans la voiture direction de course numéro 2. En course, on se trouve juste derrière le peloton pour voir ce qui se passe, s'il y a des chutes, s'il y a des coureurs qui appellent pour un bidon. Et j'ai des motos à l'avant de la course qui sont mes yeux sur la course, qui me racontent ce qui se passe devant, les échappées, les écarts, etc. On commence déjà à se mettre debout, hein, à profiter un petit peu, hein, à glisser un petit peu et c'est vraiment agréable. Hein. Tu peux être sur les vagues, tu peux être dans l'eau, c'est bien. Des fois ils viennent pour un cours et au final ils vont rester toute la semaine et puis l'année d'après on les revoit alors qu'au début ils étaient peut-être même des fois pas forcément sportifs.